Salut à tous. Calmez-vous sur le plateau. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. Il est ferme là. C'est lui. Déjà avec ta chemise. Non, non, non. Il est bon. Il est bien cette chemise. Non, non. Je la juge ce soir. Mais vite ta gueule. Total Spies. C'est la bonne réponse. Arrête d'appuyer toi. Vous l'aviez pas. Mais tu... Je suis sorti avec une des Total Spies. Elles sont très sympas. Très sympa. Avec laquelle? Il s'appelle la Rookie. La Rookie. Son prénom. La famille pirate. C'est la bonne réponse. C'est oui, vraiment la famille Clochard un peu en plus. Un peu. Ouais, ouais un peu. Ouais. Il y a quand même un crocodile qui s'appelle. Qui s'appelle ça. La famille Notre-Dame-des-Landes. Oh non, trop. La putain, trop rigolo. T'as vu, je t'ai vu appuyer, je pensais que c'était là. Trop chaud. Trop. Tout le monde connaît ça aussi. Si tu le veux, c'est Wings. C'est la bonne. Oh, oh, non, mais il est bon. Non, mais vu les choses, bâtard. C'est quoi la réponse? C'était les Wings. C'est quand même quoi, Gigi? Moi, j'ai 91. Ouais. T'es quelle année toi? Bah, 82. Oh, bah ça va, on a 9 ans d'écart. Je sais pas ce que m'a dit mon médecin généraliste. Indiciez-vous. Absolument. Tripoter le petit paquet. Toucher le gros lot. Oh putain, voilà. très bon. C'est sans jeu. Toucher les couilles, mais. Oh putain. Alors là, tout va jouer là. Tout va jouer là, messieurs, dames. Je veux mettre aucune pression ici. Mais tout est entre vos mains. Tout est jouable ici. Oui, on a compris. Celui qui prend ce point. D'ailleurs, vous savez, vraie anecdote, hein, j'avais demandé pour le grand quiz barrière qu'on peut avoir Gims parce qu'il a signé chez Talent Web Musique. Ouais. Du coup, en vrai, j'avais demandé oh, ce serait trop cool d'avoir Maître Gims. Il m'a dit ouais, il prend 100K. Je fais bon, on va prendre Vince Magicien. Parce qu'avec mon frère, quand on était petit, quand on allait à Ikea, on piquait tous les crayons qu'il y avait. Mais c'est incroyable voilà. Ça, Nathan, comme aventure. T'as vu? C'est incroyable, hein. Il va falloir qu'on l'appelle autrement, parce qu'en fait, il va y avoir plein d'autres émissions que le Lunch Play à la rentrée. Surtout dans ce des studio. Émissions beaucoup mieux que le. Non, pas du tout. Okay, t'es le mec, il arrive, il tire déjà la calache. Regardez-moi cette gueule. Il le cherche. J'ai ça juste dans mon champ de vision. Mais quel enfoiré! Juste à côté de Zulu. Tant qu'on y est, je sais pas si tu peux zoomer, mais quand je me suis rasé, j'ai oublié un petit poil. Il est juste là. Ouais, car oh oui personne peut le voir, mais moi je le sens. Quand je le touche, là je le sens. Mais et bien, ça m'énerve. Tu t'es fait mal au jeu? Non. Alors, qu'est-ce qu'on. Oh lolo lolo. remets le truc. Quel énorme boss. T'es nul à chier. Tu sais alors pas jouer. Alors je suis tranquillement en train de me promener. Eh oui. Parce que moi je joue pour le plaisir, monsieur. Eh, t'es nul à chier. Pas pour la guérilla. Je joue pas pour. T'es nul à chier. Se taper sur la gueule. Dès t'es qu'on a deux items qui valent le coup, qu'est-ce qu'il y a? T'es nul à chier. Ah, oh, fume. Monsieur Collard. Je comprends pourquoi tu joues sur un serveur PVE, petit zizi, va. Alors, petit zizi. Ça marche pas du petit zizi. Arrête, c'est pas vrai. Ferme-la, parle pour rien. Ok, je vais faire que de parler en fait, ça va te casser les couilles et du coup tu vas te barrer. Alors tu vas faire comment là? Tu peux rien faire hein. Alors là ça te fait chier, j'espère que ça te fait chier. J'espère que ça te saoule, hein. Wow, my friend, I am reloading here. 100% compétitif. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? T'as fait deux dames, y'a un mec dans l'escalier quoi. Wow. Non mais en vrai tu déconnes mais vraiment caresser un serpent t'as vraiment l'impression de caresser une bite froide quoi. Attends. Mec on a jamais fait un dégât. Ferme là. Mais c'est ouf. Oui ouais. Bah oui ouais, regarde trop fort. Jamais un dégât. Ah, ouais. Moi j'ai fait des dégâts si hein, les dégâts étaient là. Moi j'annonce ça peut pas être moi le traître. J'attends de voir. Ça ne peut pas être moi le traître. Tiens Sky. Oh là là moi je sais pas. Tiens Sky. Oh là là. T'as mis quoi? Un médicament. J'en étais sûr. T'es la reine des salopes. J'ai mis un médicament aussi. Non. Il me croit pas. Fais voir tes cartes. Fais voir. Fais voir si t'as un médicament. Je vais pas te les montrer. Attends, c'est la salope en game. Mais vraiment, allez, go l'exiler. On va l'exiler direct. Attendez. Si c'est vous, pas moi, on gros. A combien de 7? Oui, c'est ça. C'est évident. Moi, je vais me mettre là. On y va. La gige. Merde. Ça, c'est mon nouveau téléphone. Il a coûté très très cher. Je suis un homme riche. Tu vois, ce téléphone.
Je peux le jeter par la fenêtre si je veux. Je suis un homme riche. Et là, je caresse ta corne et je la gratte. Mais c'est quand que je te la mets dans le petit là? Parce que c'est violent, la petite noire. Oui, alors les affaires, en action, oui. Oui, appelez-les demain, oui. Il y a un moment, faut pas être hypocrite. On me paye pour jouer au jeu, mais bien sûr que je dis oui, les gars. Enfin, genre, wake up. Et je dis oui à la vie, je dis oui à l'argent, bien sûr, je chante la vie, je chante l'argent, je sens l'argent, je me baigne dans l'argent. Ah, ça pue la merde, hein. Genre, on va pas se mentir pour l'instant. On est dans le pire, est-ce qu'on aura quelque chose de... On peut pas faire mieux en termes de chiasse intergalactique. Ça paraît énorme en jouer, attends, c'est pas possible. Encore des étincelles. Ouais, yeah. Oh, damn. Toi qui connais bien Max, est-ce que tu peux traduire c'est un... Il va sûrement pas à rien. Il nous lâchera rien, mais je le connais très bien. J'ai dormi chez lui hier soir et j'ai appris beaucoup plus sur cet homme. J'ai appris beaucoup de choses. Il m'a lâché des indices sur l'oreiller. Voilà, exactement. Donc, non. Là, c'est le moment. Alors, je traduis. Elle dit, je trouve que Maxidane est très sexy. Et elle dit aussi, Hugo, arrête de te branler sur Death Stranding. Droit dans les yeux, s'il te plaît, comme ça. Elle dit, s'il te plaît. Voilà, jouer à Cyberpunk. Pense à Sayori, sauve Athéna. C'est pas si mort, c'est pas si mort. Boum. Comment il a volé. Oui. Il est mort avant, on est d'accord. Qu'est-ce qui se passe? C'est le dragon, il t'a menacé. You lose. Qu'est-ce qui s'est passé? On appelle ça le beat by physics. Beat by physics. Ça va très bien, je suis dans la bonne faction déjà, donc ça commence bien. Bah, c'est pas une erreur de casting. T'es pas chez les clodo avec leur maison, merde, c'est chez quoi. C'est ça. Oh, aïe, 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 aïe. Vous avez des cheveux pour 14 ans. Oulala, je vois pas ce que tu veux dire. Wow, ça va se voir. Je me sens pas visé. Il y en a qui étaient, je reconnais, qui avaient 11 ans littéralement. Là qui avait 30 ans à l'époque, par exemple. C'est la sympa côté alliance. Juste pour Chazzy, sache que la première image que j'ai vue de WoW, c'est chez un pote. Il était à poil dans Hurlevent et il mangeait de l'argent. Voilà. Bah voilà, sur la boîte aux lettres. À poil dans le jeu, hein. Non mais ça a fait un petit débat sur Twitter récemment, parce qu'en gros justement j'ai gardé ce pseudo et j'ai enfin trouvé un pseudo qui n'existait pas. Et là justement j'ai voulu prendre mon pseudo sur WoW classique. Et en fait, j'ai pas pu le prendre parce que bah, quelqu'un l'a pris. Du coup, je me suis plaint sur Twitter en mode mais putain, faut vraiment pas avoir de race pour prendre mon pseudo, quoi. Genre, personne m'aime, de toute façon, donc tu vas pas obtenir des trucs. Tu vas aller, tu vas être Zoulou, il va se faire camper. Il va niquer ta mère et tu vas la terminer. Donc, ça va pas aller très très loin. J'étais chez moi tranquille et mes potes faisaient du PVE. Ils faisaient un raid sur BC, je sais plus lequel. Et je suis allé sur leur TeamSpeak et je m'amusais à floude le vocal comme un bâtard. En fait, à chaque fois, je rentrais sur le TS et je criais boule et ça me faisait rire. Ça faisait rire mes potes. Et je me suis fait ban en fait de ce TS. Je me suis fait ban normal. En plus, vous imaginez avec sa voix, tu vois, quand il était jeune. Ouais. C'est quand même le premier jeu où j'ai entendu cet argument de dire bah non, moi je joue une meuf parce que vu que je vais jouer 600 heures mon perso et que je vais le voir de dos pendant 600 heures, autant voir aucune meuf. Que de voir un gros barbare pendant 600 heures. Et devant cet argument, j'étais en mode. C'est vrai. Non. Ah, j'avoue. Ouais. En fait, c'est un argument recevable. Il y a énormément de couples qui sont. Oui, moi, je suis en couple et j'ai rencontré la personne sur WoW. Bien joué. Et est-ce que ça a commencé par un RPQ? Non. C'était IRL. C'était IRL, mais c'était le point en commun, c'était WoW. C'était une IRL WoW, en fait. Ah, c'est une IRL WoW. Oui. Montre-moi ta grosse roquette. Chaos, ça se passe comment le RPQ du coup? Pas mal. En plus, je peux te faufiler sous les robes. C'est un autre délire, pardon. Oui, ouais, non, mais... Attends, de quoi Attends. Et on est passé à plus de 5K de file d'attente sur le serveur, qu'on est à plus de 500K viewers sur. Sûr, en fait. Sur juste Twitch. Calme-toi, Sardoche, sinon on te remet dans le placard. Et on peut aller faire la queue. Allez, bisous. Bonne file d'attente. Ciao. Bye.